Hey! 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 De coupe, ouais, ils ont joué avec leurs armes, nous on a joué avec nos armes qu'on avait aujourd'hui, voilà, après c'est comme ça, mais non, c'est, ouais, je m'attendais à mieux comme de notre part, pour qu'on agisse comme d'une autre manière sur les opportunités qu'on a mal gérées, la qualité technique qui a été très empruntée de notre côté, c'est ce que je regrette beaucoup, parce qu'il y a une qualité de passe qui n'a pas été très bonne, donc parce que le terrain était pareil pour tout le monde, attention, donc voilà, je ne cherche pas d'excuses, au contraire, mais voilà, c'est... un petit tour et puis voilà, puis c'est tout, donc c'est embêtant, ouais. Embêtant. Place au championnat quoi maintenant. Ouais, place au championnat, puis ce qui est dommage c'est qu'on va jouer un match, après on va pas jouer un autre match parce que c'est la Coupe de Bretagne et puis là c'est plus mon équipe réserve qui va la jouer. Donc ouais, c'est, ça va être saccadé, donc c'est pas top pour bien se préparer pour le championnat. Mais bon, maintenant de toute façon voilà, il nous reste ça, donc il va falloir se projeter là-dessus et puis, ouais. Puis voilà, écoutez. On n'a pas été, j'irais, serein ces deux derniers jours depuis l'entraînement de vendredi. On savait que Guy Pavard voulait être revanchard par rapport au dernier match officiel qu'on a joué contre eux et on les avait battus chez eux sur pénalty. On démarre mal le match avec un but d'entrée de jeu, un beau but. On réagit vite, on marque un super but aussi. Et après on a l'emprise, on marque assez logiquement pour moi, on marque assez logiquement. Après il y a peut-être ce tournant du match où notre gardien David, notre réserviste on va dire, qui fait un arrêt important. Important ce pénalty là avant la mi-temps. 2-1, on est confiant, on sent qu'il y a une âme dans l'équipe, on sent qu'il y a envie de faire. J'avais peur sur la chaleur, même s'il y avait des postes fraîcheurs. Je savais que physiquement mon banc c'était que des joueurs en reprise, je pouvais pas prendre les joueurs autrement. Et puis on a souffert en deuxième mi-temps, on a souffert. Et on se crée quand même des occasions. Et celle qui nous aurait soulagé, c'est celle de Jules, où elle est plus dure de la mettre sur le poteau qu'à côté. Mais ça a laissé ce suspense-là jusqu'à la fin. Et je suis heureux pour que mes joueurs aient monté cette niaque et cette rage avec des crampes pour certains, avec de la difficulté pour d'autres. Mais ouais, une équipe vraiment combative. Et aujourd'hui, on mérite notre troisième tour. Et on a montré que Bourblanc est un concurrent qu'il faudra compter sur la Coupe de France. Et qui n'a pas eu juste de la chance dans son tirage, qui aujourd'hui a battu une erreur.